les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, nickel. Aujourd'hui, on est là pour jouer au jeu Rumbleverse, les mecs. Eh ouais, le jeu Rumbleverse. Il n'y a pas longtemps qu'il vient de sortir en France, bien entendu, parce qu'aux États-Unis, il est sorti déjà depuis un petit moment. Mais ici, en France, il vient à peine de sortir il y a, on va dire, quelques jours. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo sur le jeu Rumbleverse, les mecs. Alors là, je vais me diriger devant mon ordinateur, bien entendu, pour jouer. Voilà, avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Laissez-moi un pouce bleu ben, si vous aimez le jeu, si vous aimez la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Le jeu est disponible sur PC gratuit. Voilà, il est tout à fait gratuit sur PC. Après, sur PlayStation, tout ça, je pense qu'il y est aussi. Il faut que vous allez voir. Je ne suis pas allé voir moi sur la Play, mais allez voir. Et normalement, il est disponible gratuit aussi. Parce que c'est un jeu totalement gratuit comme Fortnite. Parce que c'est les créateurs de Fortnite qui ont créé le jeu Rumbleverse. Voilà, c'est Epic Games, les mecs. Un truc de dingue. Rumbleverse, un truc de fou. Je pense qu'il va faire sensation ce jeu. Allez, j'arrête de vous prendre la tête. Et nous, on est parti devant le PC. Allez, let's go. Voilà, les mecs. On y est sur Rumbleverse, les gars. Voilà, regardez un peu, je vous montre. Ça ressemble un peu à Fortnite, là, le design, on va dire, plus ou moins. Eh, vous pensez quoi, vous? Moi, pour moi, ouais. Passe de combat. Ah, il faut activer après une partie. Ok, d'accord. Voilà. Alors, du coup, les mecs, là, on va essayer de faire des parties. Ouais, c'est ça, le passe de combat. Et voilà. On va faire des parties en solo. Là, je vais sur... pour modifier mon skin, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais voir un peu ce que je peux... ce que je peux modifier de mon skin. Voilà, alors là, ouais, voilà, je reviens là parce que je me gourre un peu, les mecs. Je vous dis la vérité, hein, c'est un peu la galère. Alors là, je regarde ce que je peux faire. Je crois que je vais déjà. J'aimerais bien changer le skin, à savoir s'il y a un mec. Voilà, un mec assez musclé. Ou quoi. Oh, le premier, il y a celle-là. Oh, il y a le tout maigre. Il y a lui là, elle et la gadji. Ah, oh, pas mal là, la gadji mens. Le mieux c'est le premier, je pense, non? Ouais, lui, celui-là. Je crois que le mieux c'est celui-là. On va devoir prendre. Je vais prendre celui-là, je crois. Ouais, parce que c'est le mieux, je pense que c'est le mieux. Hop, voilà, on a choisi celui-là, c'est bon. Maintenant, on va choisir la coupe de cheveux, les gars. Oh putain, il y a des coupes de malades, regardez-moi ça. Oh, il y a des coupes de fou, frérot. Il y a des coups, c'est quoi cette coupe? Ouais, nah, c'est pas beau comme ça, hein, les gars. Je sais pas, en fait, je suis en train de regarder un peu ce qu'il y a, voilà quoi. Mais c'est vrai que. C'est vrai que c'est un peu bizarre les coupes qu'il y a, quoi. Parce que. Parce qu'il y a des coupes trop. Regardez la coupe là-bas, afro, l'autre en blanc, afro aussi. Je sais pas. Le mieux pour moi, c'est. Attendez, je vais vous montrer ça, hein. Je pense que ouais, voilà, je pense que celle-là c'est la mieux, les gars. Je pense pour moi, hein. Ah mec, on va choisir la coupe. Ah, je pense que celle-là, ouais, c'est largement même la mieux que je puisse faire. Alors, on va voir un peu. Hop. Voilà. Ensuite, je vais regarder un peu ce qu'il y a, comme ça je vous montre un peu tout. Voilà. Ah, ça c'est les emotes. Un peu comme les danses sur Fortnite, quoi. Ouais, c'est les danses sur Fortnite, voilà. Enfin, les emotes, les danses, quoi. C'est les danses sur Fortnite, ça. Le même style, les gars, le même style. Vu que c'est les créateurs de Fortnite, forcément, ils ont fait à peu près dans le même style, apparemment, que ce soit au niveau de du design un peu, on va dire, de la présentation plutôt, voilà. Par contre, ils ont la nouvelle idée qui est bien là-dedans, c'est que on peut modifier les cheveux, on peut modifier le corps. Avec un seul skin, on peut modifier beaucoup de choses. Après, sur Fortnite aussi, c'est un peu différent le système, c'est vrai, mais dans ce jeu, nous pouvons carrément modifier notre skin, le rendre plus mince, plus épais ou plus musclé. Les cheveux, pareil, comme vous avez pu le voir, on peut changer la couleur des cheveux ou la forme ou la coupe de cheveux, quoi.
Et là, nous sommes sur les immortels. Les immortels, je pense que je vais tous les mettre, les comme vous êtes en train de voir là. Je crois que je vais tous les mettre. Voilà, de toute façon, il y a assez de place pour l'instant. Après, nous verrons bien par la suite. Mais je crois que... voilà. Alors, je mets pas le casque dans les oreilles parce que ça me fait trop. Après, ça me fait mal là, comme ça, sérieux. Alors, du coup, voilà. Voilà, on a mis les emotes. Alors, je suis en train de mettre toutes les emotes, les mecs, là. Tranquille. Vous voyez ça? Voilà. C'est la boutique, ça, les gars. Ça, c'est la boutique. Bon, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses dans la boutique de Rumbleverse. Parce que ben, le jeu vient de sortir, hein, les mecs. Hein, donc, forcément, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses. Mais je pense que ça viendra. Regardez un peu. Ouais. Après, c'est le même système que Fortnite. Donc, en gros, c'est comme les V-Bucks. Bon, ça s'appelle pas des V-Bucks, bien entendu. Vous vous en doutez. Ça s'appelle pas des V-Bucks, comme vous pouvez le voir. Mais vous avez compris. Je pense que c'est dans le même style parce qu'on peut acheter. On peut acheter tout comme on achète les V-Bucks sur Fortnite et tout. On peut l'acheter. Là, je vous montre un peu. Vous pouvez les acheter. Voilà. Comme vous avez vu, vous avez vu, ça fait pareil que Fortnite, quoi. À la place que ça s'appelle pas des V-Bucks, tout bêtement. Voilà. Mais c'est le même système. C'est le même système. Il y a des packs à 10 euros, enfin 9 euros, quoi, 10 euros, etc. Voilà. Comme je vous ai montré, là, voilà, il y a des packs à tous les prix. Voilà, comme pour les V-Bucks sur Fortnite. Bon, je pense qu'on a tout dit là. Abonnez-vous, bien entendu. N'oubliez pas l'abonnement, activez la cloche. C'est moi le petit pouce bleu, ça fait plaisir, les gars. Et nous, on y va, hein, c'est parti pour tester la première partie. On va jouer en solo, les mecs. Voilà, en solo, voilà, parce qu'on peut faire solo, duo, et je crois qu'il y a écrit section. Mais section, je crois que c'est que 3 joueurs, il me semble. On peut jouer qu'à 3 joueurs, les mecs, pas plus. Mais je pense qu'après, ça va évoluer, comme Fortnite a évolué. Et ça va évoluer, on va pouvoir jouer même à 4 et tout. Il va y avoir un mode créa, je pense qu'il y a déjà des trucs comme ça, voilà, enfin. Faudra plus que. Pour la prochaine vidéo, je ferai plus de. Comment dire? Plus de recherches sur le jeu, en gros. Et je vous montrerai s'il y a un mode. Le mode créa, le mode ci, ça, voilà. Et on verra bien au fur et à mesure quand le jeu il va évoluer, bien entendu. Voilà, nous on est parti. Allez, let's go. Allez, mec, on est encore parti. On est là, on y est, ça y est. Enfin, on est encore parti. On y est, les gars. Allez, on regarde ça. Alors, je connais pas le jeu, bien entendu, vous vous en doutez. Je ne sais pas les techniques, les coups, tout ça, je connais pas. Après, je crois que. Alors, le triangle, il me semble que c'est pour attraper tes adversaires. Tu restes appuyé dessus sur le triangle. Pour ceux qui jouent manette, je parle là, attention. Pas pour ceux qui jouent clavier-souris, ça, c'est une autre chose, d'accord? Moi, je vous parle ceux qui jouent manette. Clavier-souris, c'est des autres touches, les gars. Alors, pour ceux qui jouent manette. Le triangle, c'est pour attraper votre adversaire. Alors vous restez appuyé dessus. Normalement, les mains deviennent rouges et vous pouvez attraper votre adversaire et faire une prise de catch, on dirait, honnêtement, ou de lutte, si vous préférez. Voilà, des prises de catch. Si vous appuyez la croix, c'est pour sauter. Voilà. Regardez comment ça fait, attendez, 2 minutes, regardez, vous avez vu un peu, c'est un canon en fait. On est propulsé par un canon, frère. Propulsé par un canon, la famille. Et oui, j'ai la famille parce qu'il y a des filles aussi sur la chaîne. Il n'y a pas que des mecs. Voilà. Donc, les amis, il faut appuyer sur la croix pour sauter. Triangle pour attraper vos adversaires. Le rond, c'est pour ramasser les objets. Voilà, le rond, c'est pour ramasser les objets. Et le carré, c'est pour frapper les mecs. Voilà. Le carré, c'est pour frapper tout bêtement. Après, on peut faire des combos. Genre triangle carré, je crois, des trucs comme ça. Ou alors triangle croix, ou croix triangle, je me rappelle plus. Après, si vous restez appuyé longtemps sur le carré, il va avoir les mains couleur or. Donc, ils vont s'allumer en jaune, si vous préférez. Et il va mettre un gros coup de poing. Donc n'oubliez pas de casser bien les objets, les boîtes à lettres, les trucs que vous voyez pour pouvoir prendre les trucs et tout. Bon là je galère, hein, je vous dis la vérité. Ah, vous avez vu, je l'ai mis couleur or. Là, c'est parce que je suis resté appuyé sur le carré, voilà, longtemps.
Les petites étoiles. Alors là, j'ai appuyé, comme vous avez vu, sur le triangle. Les mains sont devenues rouges. Voilà. Alors, pour monter, vous restez appuyé sur le rond. Vous restez appuyé sur le rond. Et avec le joystick, bien entendu, vous montez. Sans relâcher le bouton. Voilà. Si vous relâchez le rond, ben forcément, le bonhomme il va tomber. Vous pouvez faire un tourbillon en même temps. Et, comme ça. Ça, c'est la zone. Regardez. Si je reste dans la zone, voilà, forcément, c'est comme Fortnite. Vous restez dans la zone, vous allez crever. Ah, tout bêtement. Ben ouais. Tu vas dans la zone, tu meurs, question. Et puis, du coup, il faut vous échapper de la rose. De la rose, moi. N'importe quoi. Il faut vous échapper de la zone. Vous échapper de la rose, j'ai dit. Vous échapper de la zone, les gars. Voilà, pour ceux qui habitent à Marseille, ils vont comprendre la blague. Voilà. Alors, c'est... Oh, j'ai un maillet, regardez. J'ai un maillet. Où est le maillet? J'ai le maillet. Mais ici, toi, mais ici, je vais te mettre un coup de maillet. Où est mon maillet? Ah ouais, j'ai lâché le maillet, j'ai une gang. Aïe. Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça ou pas? Hein? C'est la vérité. Je maîtrise ou je maîtrise rien du tout? Dites-moi en commentaire si je maîtrise. Hein. Sérieux les gars. Tu sais qu'il y en a qui vont dire non, tu maîtrises rien. Ah, attends, si je commence en plus. Il y a les étoiles, il faut la ramasser les étoiles. Oh là là là. Ah, il m'a tué. Il m'a tué, les gars. Il m'a défoncé. Je me suis fait éclater. Oh putain, c'est une catastrophe. Bon, regardez-moi. Oh, je me suis fait éclater par un Jackson 5. Les gars. Je me suis fait éclater par les Jackson 5. Sérieux. Ah, c'est pas grave, on va passer. Regardez, c'est un Jackson 5, frère. Je me suis fait éclater par le frère de Michael Jackson. Jackson 5, les gars, je me suis fait éclater. Regardez-moi ça, c'est un truc de dingue, les gars. Là, on va passer à la deuxième, pas à la deuxième. Les mecs, on est parti pour la seconde partie. Alors là, on est à la deuxième partie. Tranquille, ça va le faire, vous inquiétez pas. Cette fois-ci, on va essayer de gérer mieux la situation, les gars. Ça. Ah, ça, c'est... Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. Vous pouvez aussi vous protéger. Alors pour se protéger, c'est la gâchette. Alors je vais vous montrer sur la manette. Sur la manette quoi. Alors en gros, voilà, c'est protégé. Là, gâchette. Voilà, j'appuie sur la croix, regardez. Là, pour me focuser, alors je choisis l'endroit où je vais aller, bien sûr. Se protéger, alors la gâchette qui est là, je vous montre. Celle-là, là. Celle-là, vous voyez. C'est pour se protéger. Et celle-là, elle, là. C'est pour courir, ok? Vous tapez une accélération et vous bloquez, d'accord? Okay, allez, on y va. Voilà. Il va m'attraper. Voilà.
C'est fini les gars, il m'a mis KO, c'est terminé pour moi. Je me suis fait éclater, je suis vraiment nul à ce jeu. Vraiment nul, mais c'est pas grave. On va passer à la troisième partie les mecs. Allez mecs, nous sommes partis pour la troisième partie cette fois-ci. J'espère que cette fois-ci, je vais mieux jouer quoi. Franchement, les deux premières parties, on va dire que c'était un essai, on va dire ça comme ça, on va dire que c'est un essai, tu vois. Je connais pas le jeu, donc j'essaye. Je connais les touches, oui, mais voilà. Allez, ça a déjà commencé. La partie va bien commencer. 2, 1. Ah, allez, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Je vais pas pousser par un canon. Là, y a pas moyen. Là. Deux parties, c'était pas bon. Enfin, pas bon. Comme je connais pas bien le jeu, je me suis fait éclater. The battle is on. Voilà, j'ai bien compris. Tu avais pour monter, grimper. Prendre des trucs, boire, ouais, boire, manger, ça va, ça va. Ah, ah. Ça. Alors, ce que vous entendez derrière, c'est parce qu'il faut en manger. En tout cas, ça sent bon et ça me donne faim, les gars. Il faut savoir que là, je suis en train de faire la vidéo. Il est actuellement, il est presque 6h20. Voilà, 6h10 les gars. Ma femme elle me dit 6h10, donc 6h10. Et puis alors juste un coup, voilà. 6h10. Et du coup, elle est en train de faire à manger et moi ça me donne pas et je suis en train de faire une personne. Bon, allez, vas-y. Bravo. Allez. Ah, je me débrouille mieux, non? Attendez. Voilà. Bonne idée. Calme-toi. Moi, je vais déclencher la tronche. C'est méchant, hein? Moi, je trouve stylé le jeu. Franchement, je le trouve très bien. Ça change de. Ben, ça change de perso. De. Ah non, là, franchement, c'est beaucoup mieux. Donc là, nous, la grosse, là, ici. Toi. Elle a me violé, vous voyez là? Elle est la grosse. Ici, la grosse. C'est malité. Allez, hop. Voilà. C'est ça qu'on veut. Les KO, les KO. Voilà. Là, je joue mieux. Là. Dis la vérité. Dites la vérité. Voilà. KO. Voilà. C'est ça qu'on veut. Je me suis fait défoncer. Je me suis fait défoncer. Mais j'ai mieux joué. Franchement, j'ai beaucoup mieux joué, les gars. Voilà, les gars. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. C'est moi un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Et voilà quoi. Bonne chance pour la vidéo. Bien entendu, de Rumbleverse. Ou alors de Fortnite. Ou alors de vidéo d'un vlog. Quoi. Voilà. Et sur ce, prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Tu sais, mec. Thank you.